Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Hugo. Laissez-moi. Allez, arrête de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Je crois que Rodrigue travaille dans la cour. La serrure est encore gelée. Oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de mille pertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Amélie pour le... coffin. D'accord. Mais il va encore me dire... T'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Je sens tous mes doigts. Toi aussi, tu te sens seule. Hein. Allez, courage. Un jour de plus. Ces objets, je me souviens de chaque endroit, chaque moment. La soupe, c'était le tour de qui? Mélie? Non, ça sent pas assez propre. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Rodrigue n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va finir par en avoir partout. La tête de Lucas quand il avait cru arriver au grand œuvre. Et Hugo. Bravo Lucas, t'es un sorcier. Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il vivait chez Laurentius. Excusez-moi, si vous savez où est Hugo, dites-le-moi par pitié, ou veillez sur lui, si vous le pouvez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Hugo qui aurait dû te trouver.
Comment elle peut être bloquée? Le quoi, je dis. C'est presque pire que la rouille. Le soleil va bientôt se coucher. J'espère que Hugo le voit de là où il est. Moi, je veux rester ici. Ah ouais? Et si... Et si toi, t'arrêtais de vivre comme un animal? Oh. Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes. Je veux nous garder en vie, c'est tout. Comme on a toujours fait. La nuit va tomber. Il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la fais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va? Je me sens bien. T'es pas mal pour une Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère. Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros dans le livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Tu l'aimes ton univers, pas vrai? J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Rodrick? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Va marcher, je te dis. Hé, tu calmes. Si tu casses tout. Ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Rodrick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Eh, est-ce que ça va? Ben ouais. Pourquoi? C'était... intense. Ah, les coups de pied. Mon père travaillait comme ça. Il n'y a plus que moi pour suivre la tradition, putain. Bref. Et toi, ça va? Oh, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi? Si on étendait encore le champ de recherche. Rodrick, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons préparer la fosse pour la nuit, d'accord? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça? Ah, la ferme. Oh, Amicia, permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pues. Quel doux ménestrel tu fais.
Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme toi. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rats partout. Demande à Amicia. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Il y a un problème ? Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté.
mortel. Je croyais que cet endroit était à l'épreuve pour tout. C'est pourtant le cas. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Je dois attendre Michel pour le retour. Je vais mourir ici. Amicia, je t'approche, embrasier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. Mérite une médaille. Allez, viens. Rejoignons les autres à l'intérieur. J'espère qu'ils vont bien. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Ça va ? Non ! C'est quoi ce bordel ? Arthur, t'as pas été mordu ? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas ici. C'est quoi alors ?
par ici. Vite! Va et fais ce que tu dois faire. Parce que tu la trahis. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était! Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Partir maintenant! On l'a eu, ce sale chien! Amicia! Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à lui. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo? Hugo, je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien te faire, Hugo. Regarde. D'accord, d'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais de te protéger. Je t'en supplie. Forcément ici. Mais ils sont là. Ils sont là. Hein? Mais ils ont peur du feu. Alors on va les...
On a besoin d'eux. Enfin! Où êtes-vous passé, hein? Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Hein? Tiens, tiens, regardez qui voilà. Vous êtes jeune. Je vous tuerai vite. Hein? Votre père ne s'est pas caché. Il est mort en me regardant dans les yeux. Très bien. Très bien. On va jouer. Mira, Amicia, il les a tous tués. On va en libérer d'autres. Je sais que vous êtes là. Ah, j'arrive. Qu'est-ce que vous croyez faire? Vous n'êtes rien, sinon de la chair pour ma lame. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce jouet? Amicia! Arthur! Non, non, non! Arthur! Je vais les tuer. Je vais les écorcher vives. Melly, je suis... Ferme-la. Arrête, s'il te plaît. Je vais les crever. Je vais brûler leur putain de bannière. Melly, t'as aucune chance. Ah ouais? Et toi? Tu
vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres. Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre. Il reste plus rien. Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est 5 contre... contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil? Oui, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à la voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.